Mardi 15 mai 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal Lan sur Télévision Nationale d'Haïti. Mais grand titio, poissoya. En famille dans Odet Moustique, 3e section communale Bassin Bleu, recevoir pendant week-end long appareil pour mettre lumière à Kayo dans le cadre programme Kaipam Clairé. Ministre Kiltia Communication Joseph Guy Lercé Delva, parlé mardi 15 mai 1 sous plusieurs points qui a dominé l'actualité à Pamio, question ajustement prix gaz là. 20 moun arrêté. Il y a 10 mouri, 4 âmes, 5 machines et 3 motocyclettes saisies. C'est bilan opération direction départementale l'Ouest DDO mené sorti 12 avril pour arriver 12 mai 2018 là dans zone Grand Ravine dans Port-au-Prince. Rapport travail commission bicamérale qui t'a analysé dossier environ 40 postulants qui voulaient représenter Palman en conseil électoral permanent disponible d'après président Sénat Joseph Lambert. Séance en Assemblée nationale pour choisir représentant Palman, Poco qu'a fixé à cause Chambre députée à qui en vacances. Mardi 15 mai, marqué journée internationale famille, dans l'occasion de plusieurs activités réalisées pour montrer l'importance famille dans le bon fonctionnement de la société. Et puis, une actualité en sous-plan international, environ 55 Palestiniens mourus, sans compter 2400 autres qui blessés sous frontière entre Gaza et Israël lundi 14 mai. Président autorité palestinienne, non, Mahmoud Abbas a décrété 3 jours d'œil national. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché. C'est Titsayo avec un pilote information qui pourra le faire essentiel journal lan pour Assoya. Yon Franco, on a salué et remercié tout le monde qui branchait téléjournal lan dans le moment ça sous télévision nationale d'Haïti. On a démarré avec information pour nous faire connaître Jean Soudil dans Grand Titio, 500 familles dans Odet Moustique, 3e section communale Bassin Bleu, recevoir pendant week-end long appareil pour mettre lumière dans la caille. Bénéficier yo saluer Jessila et puis remercier président République lan pour accompagnement ça. Anne Marguerite Auguste avec Hervé Pierre pour un reportage. Distribution kit individuel sa yo, moun kap viv nan zon rekule yo pour l'utiliser pour mettre courant la kayo, fait partie 3e axe, programme politique énergétique administration président Jovenel Moïse la. Directeur général Agence nationale sécurité énergétique la, Evenson Calixte, montre importance courant gain dans développement yon pays. C'est pour raison ça, les 10 chefs d'État prend engagement pour faire pour le men kay moun ki pa jamais imaginer yo tap bénéficier système éclairage ça. Directeur général ANACE a profité de ce bilan quantité réseau y a construit et réparé pour permettre d'arriver à concrétiser l'engagement chef l'État pour bail courant 24 sur 24 là. Le programme électrification pays a démarré déjà. Nous avons construit plusieurs mini réseaux dans le pays évidemment qu'à printemps. Nous avons travaillé sur le réseau Ansdeno, nous avons travaillé sur le réseau Damari, nous allons travailler très bientôt sur le réseau Tiburon. Nous avons préparé Kounia la centrale qui est dans les Anglais. Et nous lançons appel d'offres déjà pour petit réseau, appel pour gros réseau, fait sorti. Donc nous demandons tout le monde qui est intéressé, vienne appliquer parce que la question de l'électricité à Kounia, nous avons fait accès à l'électricité. Nous pensons que le gouvernement Moïse a fait un objectif gouvernement, assurer que tout grain haïtien, debout sur 27 750 km² ou bien courant la caillou. Député Bassin Bleu à Denis Saint-Fort remercie président République Lan pour ça en faveur monde qui vivent dans section communale. C'est une preuve qui montre président Jovenel Moïse comprendre difficulté monde en dehors yo a confronté. Devant Jefosa yo parlementaire a invité opposition pour ta rejoindre équipe qui sous pouvoir à travers dialogue pour bien-être pays a. Merci ma président Jovenel, mais j'ai plus volonté en pile de détermination. Nous avons l'opposition, il faut acheter avec nous pour bien le pays.
Bénéficiaires yo remercier autorité yo qui permettent yo sous côté dans décision à prendre pour améliorer condition la vie monde qui vivent dans zone qui pire reculé yo. Appareil ça yo pour éviter en pile danger yo té kon victime là yo t'a utilisé gaz ak baleine pour éclairer la caillou. Autrefois, nous avons un petit monde pour étudier. C'est dans l'ampleur de la pétition. Mais grâce au président Jovenel Moïse Jodia, nous avons un lampe soleil qui a aidé nous à avancer à l'école, plus ou moins. Et nous avons souhaité le Premier ministre merci tout. Dans l'ampleur de la pétition, nous avons un problème dans les yeux. Nous avons un problème dans l'ampleur de la pétition. Nous avons un problème dans l'ampleur de la pétition. Nous avons un problème dans l'ampleur de la dit président Jovenel, merci. Parce que depuis avant hier, Malbassin a gagné 200 dollars non, même pour me donner son lap, je vais pas jouer. Mais pour qu'on y ait, je vais pas étudier à l'aise. Je vais pas causer tête grise d'avant encore. Je dis président, un bel merci pour ça. Parce qu'il fait belle bagaille pour le peuple là. Programme Kaipam Clérian fait partie promesse électorale président Jovenel Moïse s'est fait paysan yo. Distribution appareil sa yo pour permettre bénéficiaires yo mener activité économique dans nuit yo. Et puis participer dans les efforts qu'a fait pour augmenter l'économie haïtienne. Et puis, nous avons fait le Conseil national télécommunication lancé mardi 15 mai. Il y a un atelier travail de jour dans Port-au-Prince sous règles et principes dans le secteur radiodiffusion. Atelier ça qui doit réunir opérateurs et administration publique. Là, à occasion pour responsable Konatelio présenter ça la loi dit pour gérer les affaires médias en dans pays. Directeur général Konatelio Jean-David Rodney exprimait regret li par rapport à polémique qui gagne entre ANMH et AMI qui pas comprendre démarche Konatelio d'après lui. Jodi à la comme capable n'a pas avancé avec atelier. OK. Peut-être dans l'attendance qu'on a là, ou pas gagner les 350 opérateurs de stations de radio. Et c'est vrai que nous avons nous gagner par contre des radios qui sont juste Jérémy, qui sont au CAI. Et nous nous sommes dit tout à l'heure là que nous tenons par chaque opérateur que nous baillons une fréquence. OK, pour nous protéger, pour nous accompagner dans l'exploitation. Et c'est ça que nous faisons. Donc, nous continuons avec l'atelier. Hein. Jeudi, concerné le contrat de concession que nous allons présenter après-midi. Hier soir, il était 11h, j'étais encore dans le bureau avec le président de la NMH pour nous être capables de clarifier la confusion qui est dans l'esprit sous objectif, sous jeu de rôle là d'abord. Le régulateur et l'association des médias. Régulateur, c'est régulateur. Association des médias, c'est association des médias. Et nous avons dit que n'y a pas entré dans le champ de régulation. Il y a avec eux des opérateurs que nous baillent des fréquences pour eux-mêmes fait les médias. Le président de la NMH a eu à me dire en présence d'autres personnes qui étaient avec nous que dans le contrat de concession, pas gain deux irritants, nous pas deux points de divergence. D'autant que il y a des médias qui signent déjà Téléguinée par exemple. Tu as signé un contrat de concession. Il y a d'autres médias qui ont signé. Donc si pas gain des irritants majeurs, et puis nous faisons un exercice pédagogique côté de mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics pour clarifier des questions. Pour nous que pas gain atteinte à la liberté d'entreprise. Pour nous que pas gain atteinte à la liberté d'expression. Mais le problème non, lit pas dans le contrat de concession. C'était précision directeur général Konatelio David Rodney. N'ap continué ensemble avec Chambre Commerce Femmes Entrepreneurs d'Haïti qui ensemble avec Konatelio lancé mardi 15 mai à deuxième édition sommet international Femmes numériques en Haïti. Initiative s'il a faite dans l'idée pour réunir femmes qui sortent dans plusieurs pays dans Amérique qui utilisent technologie dans le cadre de travail. Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre a dit nous plus sur ça dans le reportage. Ça. Encourager les femmes qui font commerce et l'agir clientèle tout partout dans le monde, c'est dans l'objectif ça, Chambre Commerce Femmes Entrepreneurs d'Haïti mette campé projet ça. Dans l'occasion de la deuxième édition, Sommet International Femmes Numériques Haïti,
15 pays marqués présence, sans compter plusieurs dizaines de conférenciers qui ont pu partager l'expérience pendant 3 jours avec participants. L'objectif et sommet, c'est vraiment pour nous sensibiliser jeunes filles, pour nous sensibiliser femmes qui font business, parce que nous disons que la technologie au service de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est vraiment garder dans quelle mesure nous sommes capables de faire que mesdames qui font business sont capables d'utiliser la technologie pour agrandir le business, pour faire plus d'argent, pour avoir plus de clients. Qui pas seulement en Haïti, mais qui est tout côté dans le monde, puisque la technologie libère toute opportunité. Ça. Toujours dans le cadre de projet, ça, Chambre Commerce Femmes Entrepreneurs d'Haïti, grâce à Bourad plusieurs autres organisations, a bâillé formation à plusieurs jeunes filles sous façon de servir à la technologie dans le cadre de travail. Nous avons besoin de montrer, mesdames, que dans l'utilisation de la technologie, ce n'est pas seulement juste utiliser pour faire des blagues, pour rire, mais vous êtes capable d'utiliser pour faire business. Actuellement, c'est CFEH. En partenariat avec de l'autre institution, nous faisons des formations pour jeunes filles qui peuvent montrer comment pour créer site internet, comment pour créer site internet, utiliser la technologie dans une série de métiers. Et bien, le ça, mesdames, ça sont capables de chiter à la caille, sur téléphone, sur tablette ou bien sur ordinateur. Et bien, ils ont besoin de job pour faire pendant la caille, soit dans l'autre pays ou bien en Haïti même. Exposition produits artisanat avec photo plusieurs femmes qui font diverses invention dans le monde là, conférence, débat sur ensemble avantages technologie à offrir, c'est quelques parmi activités qui t'est marqué premier journée sommet ça. Nous t'ai parlé de ça dans grand titre tout ministre Kilti à communication hein? Joseph Guiller C. Delva potayon démenti sous bric à courir qui t'a fait quoi prix courant pral augmenter. Ministre l'en fait connait pas gain augmentation dans prix courant. Puis loin ministre Joseph Guiller C. Delva expliquer gagnon effort cap fait pour faire recouvrement. Ministre l'en mandé collaboration tout citoyen non sans ça. On suit. Puis pas gain augmentation de gain mon cap dit y a monté prix et kilowattheure y a comme si on va payer plus cher, etc. C'est pas vrai. C'est un effort de recouvrement qu'a fait, qu'a marché, ok? Qui déjà bail des résultats. Et je pense que faut que tout le monde encourage ça parce que EDH a dépensé 250 millions de dollars pour subventionner EDH alors qu'une barre de courant. Donc je pense que l'effort ça aussi apprécié pour apprécier. Donc c'est un effort de recouvrement qu'a fait. Pas gagné aucune augmentation de prix et, comme si courant va venir plus cher. Jean Demon a parlé, nous tout profiter démenti ça. L'autre information n'a poté pour nous, c'est avec président Sénat Joseph Lambert qui était membre commission bicamérale qui tape analyser dossier environ 40 postulants qui voulaient représenter parlement dans conseil électoral permanent qui dit rapport travail commission hein, disponible. Séance en Assemblée nationale pour choisir représentant parlement Poco ka fixé à cause député yo en vacances. Sénateur Sud-Est l'en souhaité fois ça, conseil l'en rivé mette campé en 20 prochaines élections yo. On suive précision l'en en micro confident Fedner ak Moïse Wilbridge. Il est temps que le conseil électoral permanent soit mis en place et que toutes les dispositions soient adoptées en ce sens. Et que chaque secteur, chaque groupe politique, à quelque niveau qu'il puisse appartenir, eh bien comprendre que je ne veux dire qu'on nécessité pour que le conseil électoral là mette campé. D'ailleurs, un rapport a été produit en ce sens depuis l'an dernier, transmis au bureau, à l'ancien bureau, et j'étais le président de cette commission. Aujourd'hui, je suis arrivé à la tête du Sénat de la République en tant que président du Grand Corps, il est encore de ma responsabilité de continuer à bailler, à insuffler, je dirais, tout l'élan nécessaire à dossier ça pour que, en finale, nous ne retrouvions pas avec une accumulation de retard faire toute mise en place pour que. En septembre ou octobre 2019, eh bien, on puisse tenir des élections dans le calme et la sérénité la plus totale. Si c'était pour le Sénat de la République, séance en fait. D'ailleurs, des sénateurs dont je n'ose citer leur nom
eh bien, ils étaient d'accord pour te dire, il faut constituer ce que je pourrais appeler une majorité patriotique de 20 pour nous capables de doter pays de institutions qui prévoient en dans constitution. Je veux parler du conseil électoral permanent, du conseil constitutionnel. Mais depuis 1990, nous avons des oppositions, ça pas chambre d'accord avec le conseil électoral permanent. Tout le monde qui était d'accord hier, leur était au pouvoir, ils n'ont pas d'accord aujourd'hui. Ça d'accord aujourd'hui, il n'y a pour pas d'accord demain. L'important pour moi, en tant que président du Sénat, c'est prendre responsabilité moi et puis faire ça me décarreler un complot citoyen et bien prendre engagement en tant que responsable pour que définitivement toute institution qui prévoit quelle qu'elle soit de quelque nature qu'elle puisse être et bien nous capables de mettre le campé et ceci dans l'intérêt national. Information on va poursuivre ensemble avec responsable parti politique, parti haïtien Tête Kaleo, qui rencontrait mardi 15 mai à Nompétionville, représentant régional et département patien pour remettre yo feuille de route qui pral permettre yo travail souterrain. Rencontre sa fête avant premier congrès Patisila qui prévoit fête pas trop longtemps. Président patien Yannick Mézil et porte-parole patia Rudy Erivo pote précision sur information qui t'a fait quoi PHTK t'a divisé en deux branches. Yo tenan micro Falon Delphin ak Hervé Pierre, y a dit nous plus. Le comité exécutif provisoire te vle rencontrer avec pionnier PHTK yo pour nous débattre une feuille de route côté pour te reprendre terrain pour te recommencer travail parce que nous connaît dans quelques jours, dans quelques mois, nous pourrons aller préparer le premier congrès national partien et ça va rentrer dans le cadre de restructuration parti politique. Je dis, tout pionnier là, qui sont dans 10 départements, 9 départements géographiques pays, parce que nous pouvons faire dans l'Ouest, côté nous pourrons faire une feuille de route pour connaître qui sont tout pour le travail sur le terrain, reprendre le terrain et pour nous préparer le premier congrès national partien qui a fait très bientôt dans 2 ou 3 mois. Cette affaire de deux branches-là, ça va exister. Non, capable de gagner des gens qui décident de faire un travail dans le point par mais après à l'arrivée, ils viennent retrouver nous pour conjuguer force, nous, énergie nous, et intelligence nous pour aller de l'avant. L'autre point à point dans le journal, ça, c'est avec sénateur Yuri Latortue et puis sénateur Jacques Sauveur-Jean qui rencontraient avec l'inspection générale sous incident qui était passé samedi 28 avril dans le Café Trio au Cap-Haïtien. Côté Mounio Patrivé identifié, t'es lancé gaz lacrymogène dans espace côté OTAP organisé yon conférence débat sous dépenses l'agent Petro-Caribéa. Sénateur Latibonit Landi n'est pas d'accord à commission qui a enquêté sous dossier qui déjà dit réaction policière était correcte sans même enquête là pour qu'on fini. Je tiens un micro fait un confident avec Moïse Wilbridge en suivre. Nous rencontrer hier avec commission qui a enquêté pour inspection générale. De prime abord, nous avons reproché la commission du fait que l'enquête là pour qu'on finisse et nous avons eu en conclusion dans la radio côté que porte-parole là a annoncé que le comportement la police correct. Nous avons dit que l'enquête a fait et moi-même comme ancien commissaire divisionnaire, je dois connaître que c'est l'enquête là fini, l'enquête fini de tout le monde, c'est le ça yo ka arrêté pour yo bay résultat. Nous t'ai rencontré avec inspection générale côté nous-mêmes, nous t'ai raconté exactement ça qui passé, nous t'ai bay version des faits. Mais ça seulement que d'ailleurs nous t'ai dit inspection générale que nous t'a fait connaître c'est que dans toute préliminaire yo même que yo fait justement yo fait sortir que eh bien
la police qui était là sur place pas fouiller tout le monde. Contrairement à ça, commandant Kasso te dit. C'est la première conclusion que vous avez tirée. Et nous-mêmes, nous portons toute version nous pour que la vérité soit là. Parce que nous attendons avec un pile patience, mais nous attendons avec un pile diligence tout, que le résultat enquête ça baille. N'a enchaîné ensemble avec sénateur l'Ouest là Antonio Cherami qui lançait un SOS by autorité judiciaire ak policier yo pour travail pour freiner zak insécurité qu'a répété dans plusieurs communes dans département l'Ouest là. Devant constat ça, parlementaire a dit li kweg nécessité pour gagner une entente entre plusieurs entités qu'a agi dans son ça pour freiner Zak Silayo en dans société a. Sénateur Antonio Cherami. Moi-même, je pense que je dis à Fok Gonchita sérieux qui fait sous question sécurité en dans pays. L'on regarde par exemple, pas jamais les résultats qui baillent dans le journaliste mourit, résultat pas jamais baillent. Et 31 timoun dans Calico Beach, résultat pas jamais baillent. 14 ans aux mineurs. Blanc sauvé, moun yo t'arrêté lagué, résultat pas jambe baye. Ça veut dire pas jambe gon signal vraiment qui voyait. Même là la police agit, mais la justice li même li gon jan le comprendre bagay la, li gon l'autre bagay li fait. Mais me passé jodi an, c'est tout corps ça qui doit mettre ensemble pour qui dit bon, faut que nous résoudre problème là. Ça touche mon pile, ça crive les organes, jeune garçon qui a tombé. Ça touche mon pile dans cabaret, pile cambiz ça qui prend vagabond envahi. Li touche m kote mien, mais je dis comme responsable, m pa ka plaindre. C'est système nan pour nous batailler, pour nous changer, pour moun sa yo même pour ka jwenn résultat. N'a profité rete sou même lancer ça pour nous dire 20 moun arrêté, yon dizaine mouri, 4 zam, 5 machines à 3 motocyclettes saisies. C'est bilan opération direction départementale l'Ouest DDO menen sorti 12 avril pour arriver 12 mai dans zone Grand Ravine non Martissan. D'après directeur départemental l'Ouestland, Berson Soljour, opération Sila a été baptisée Coucou Rouge. L'abdi nous plus. Nous fait 20 arrestations. 20 arrestations et la dernière gain ensemble de gang sa yo, c'est des moun nous prend qui à peine sous commettre braquage et en pile là-dedans nous joignent des armes, nous confisquer 4 armes et gagner 8 véhicules qui confisqués et 8 véhicules donc nous gagner 5 machines qui sont la quoi là que la presse caboué et 3 motocyclettes. Nous confisquer 4 armes, 2 armes ça dernier en date là et qui lui même au cours de opération ça et qui visait gang Anel qui lui même a théorisé une partie dans village de Dieu. Et compte tenu, la police a évité dommage collatéraux, donc nous pas intervenu en force. Donc nous puissions prioriser, d'Agadi, investigation. Et dans le cadre de l'action de la police, il y a à peu près une dizaine de membres gangs qui déjà tombés dans l'échange avec la police, dont les oreilles et consorts, qui sont des gens qui sont membres d'Agadi, gang Ravine, qui est intimement lié avec Anel dans le village de Dieu. Et dernier moment date que nous arrêté, c'est deux prévenus ça qui là. Nous gain Dikini Veri, monsieur Viré, qui lui-même Dikini Veri, c'est nous arrêté lui sur l'aéroport et pendant t'a suivi lui, nèg Dikini c'est membre d'Agadi chef réseau par là. Et chef réseau il continue dans gang là relé ingénieur. Ingénieur c'est lui-même qui habillé très bien à l'ban à l'banque. Suivre qui moun k'a fait transaction et peut-être m'daka di familiarise yo a moun andan et nous connaît Dikini lui-même par exemple nous jeune dans machine on carte carte ça c'est carte ministère intérieur mais c'est une fausse carte qui permet que li capable passer n'importe qui côté et comme m'daka di un employé l'état ou ingénieur qui permet qui cibler moun yo et puis avec machine motocyclette yo braquer moun yo. Mais nous prenons après une attaque qui était faite sur un client qui est dans Sojé Bank, Delma 30. Et malheureusement, l'équipe était tellement sur le terrain, nous n'avons pas arrivé à mettre les mains sur toute l'équipe.
et nous arrêté deux là dedans, nous avons dit Dikini Veri et nous arrêté tout Belfort Robinson alias Rudy qui était accomplice qui était avec elle. Mais particularité de Dikini Veri, l'en fin arrêté dans recherche que nous fait, nous retrouver la était avec Mario Saha qui tout près là. Et dans recherche, dans contact, les informés de l'arrestation, ça, nous avons SDPJ Nord qui prend contact avec nous et qui voit des images, vidéos que nous avons gagnées sous deux braquages qui fait dans le cap haïtien qui était vraiment soulevé l'opinion publique là. C'est un braquage qui était fait le 11 avril dans rue 20A, côté que nous prend $26,000 américains dans madame Ella Benoît Siméon. 11 avril 2018. Et le 24 avril 2018, dans rue 3L, au Cap Haïtien, yo pote aller plus de $80,000 américains de un commerçant qui est Robert Télémac. Donc, image vidéo que vous voyez dans nous, c'est même Mario ça que nous avons arrêté la veille là, qui était sous lit. Et ça fait nous, Kembe Mario comme une pièce à conviction. L'autre point qui a dominé l'actualité, hein, c'est le député circonscription 15 Coflan qui est intervenu sous lui, Alfredo Antoine, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec la parole qui a parlé sous possibilité pour prix gaz lent à augmenter. Député a encouragé l'exécutif à chercher taxes dans l'autre secteur pour répondre à l'engagement face à la population. L'abdi non plus. Mouquant. On éventuelle montée de produits pétroliers. Nous admettons, nous tous que journalistes sont avec, admettons que Haïti n'a pas fait pétrole. Clair. Mais question pour monter prix gaz et que ces populations prennent le pays, et côté conseil de paresse qui gagne au niveau ministère financier, par le prélever un conseil de taxes qui est capable de financer le budget, si pas pour le gouvernement, ouais que ces produits pétroliers seulement de taxes faciles. Que ces populations qui prennent de incidence négative sur le fonctionnement de la population, déjà qui sont dans le chômage, qui n'ont pas de travail, à partir de gros multinationales, de entreprises et nationales qui travaillent, qui pour financer le budget, c'est là pour y aller prélever taxes, et de citoyens tout qui travaillent, qui payent impôts. Donc, question à financer le budget, c'est à travers de taxes de monde qui plus faible, et moi-même, je compte ça. Et nous lancer un appel vibrant à l'endroit de l'autorité au niveau du ministère des Finances et de l'économie pour que c'est là pour y aller chercher de taxes au niveau de monde qui est plus riche, de entreprises commerciales et gain une série de gaspillages qui a fait dans la question crédit d'impôt, exemption d'impôt, exonération d'impôt. C'est une série de mesures que l'État prend à travers la loi sous CFI pour que yo facilite plus travail, plus investissement étranger ou bien national. Mais qui ça a fait? Yo profite de avantage ça yo, yo ba yo 10 ans d'impôt et après 10 ans fini, qui ça entreprise a fait? Yo ferme yo et yo ouvre l'autre entreprise pour yo gen 10 ans. Donc faut que l'État en mesure que moun ka bénéficier impôt non seulement nombre d'emplois que yo pral bay dans secteur, c'est pas bay crédit pour crédit, ouvrir entreprise pour ouvrir entreprise. Faut que moun sa di mes quantité emploi, de emploi décent. C'est pas même genre de moun qui dans secteur textile que de moun de chômage déguisé, de moun qui a travaillé seulement pour financer la misère. N'a toujours été dans même cas de sujet ça ensemble avec ministre Kiltia communication hein, Joseph Guilherme Delva qui parlait mardi 15 mai an, sous divers points qui ont dominé l'actualité, parmi eux, question ajustement prix gaz. Le ministre qui a intervenu dans le cadre d'une conférence spéciale fait qu'on ait gain mesi cap gain pour prendre pour ajuster prix gaz là justement. On suit. Depuis 2010, nous avons subventionné gaz là, c'est-à-dire que le pas jamais arrivé, nous toujours en balle. Nous toujours plus bas que prix marché, donc nous toujours en deçà de sanda doué percevoir comme recette et nous toujours dans une situation pour nous chercher à ajuster ou bien c'est perdu, nous avons perdu recette dans la question Gaza. Ben moi dis nous, par exemple depuis 2010, l'État haïtien a perdu plus que 47 milliards de gourdes
comprendre bien ça, ça veut dire 47 milliards de recettes que le pas percevoir pour qu'il se pas cause que l'a subventionné Gaza. Mais gros problème là, c'est que moun qui bénéficiait de subvention ça que l'État a bail là, et bien m'ka ba nous garantir c'est pas et moun qui plus bénéficie là, c'est moun qui a moyen déjà. Imaginez qui moun ka vraiment consommer carburant en Haïti. C'est moun qui a industrie, c'est moun qui a gros Delco, c'est moun qui a gros machine y a rouler. Moi m'ka pas la voilà m'a bénéficié lui comme si m'a bénéficié moi moi pas ta besoin yo subventionner gaz pour moi parce que m'ka capable dire dans pays moi sont privilégié. Mais il y a m'a touché m'a bénéficié là-dedans lui. Le l'état subventionnel là moi même bénéficier gien l'autre monde dans pays a qui gien moyen pour payer gaz là mais c'est eux qui bénéficier surtout. Mais avant m'arriver dans ça m'a dit bon ba nous deux trois petits chiffres. Par exemple, jusqu'à présent dans l'exercice là nous déjà perdu 7 milliards plus de 7 milliards de gourdes qui déjà perdu en termes de recettes qui pas percevoir à partir de subventions que n'a fait dans le prix carburant. Et si ça continue, dans la fin exercice là, l'a dépassé 13 milliards de gourdes. Comprenez bien, n'a parlé là de comme l'État t'a capable de percevoir pour adresser problème justement moun qui pi faible. Alors que comme n'a subventionné là, là il plus à joindre moun qui pi riche, qui pi bien yo, qui pas besoin ça vrai. Mais n'a bayol pas besoin. Mais qui je pour qui stratégie pour nous faire pour atteindre moun pour assurer que effort que l'État fait c'est moun en bas là jeune qui plus besoin là, et bien c'est à travers programmes sociaux que n'a mettre en place qui déjà en place qui en cours que nous besoin n'a que n'a renforcer. C'est par rapport à toute une série de mesures d'accompagnement qu'a prend pour permettre que en bas capable bénéficier. C'est-à-dire si ouais ou al paye au camionnette, ou paye un goût de plus, paye deux goûts de plus, mais gon, ou pral compenser l'autre côté. Quand on pral compenser là, ou de pral acheter un plat manger pour 150 goûts, et bien je n'ai pour 10 goûts. Mais l'autre jeune pour 10 goûts là, c'est comme l'État, oui, c'est comme la percevoir qui permet li atteindre moun ki pi ba. Moun nan actuellement là, ça va fonctionner à travers le pays, nous besoin mettre plus toujours. Nous besoin. Et si pas disons panier solidarité qui a développé pour mettre moun capable joindre kit pour joindre d'adieu manger ou bien nourriture qui capable aider yo, c'est pas ça qui va résoudre problème. Attention hein, nous pas dit programme social ça yo c'est yo qui va résoudre problème peuple haïtien, mais il y a des moun qui pas qu'attendre ou besoin ba yo un soutien, et pour faire faut gagner moyen la mort. Et qui côté pour moyen soutien, mais sinon c'est sur gaz, c'est sur tout c'est l'autre produit qui dans pays a pour joindre. Moment arrivé pour une prendre l'autre pause. Restez branchés. Merci parce que nous toujours été branchés journal lan sous télévision nationale d'Haïti. Deuxième tranche lan a démarré ensemble avec président Action démocratique pour Bâti Haïti, maître Osner Richard, qui croit c'est une bonne initiative chef l'État haïtien en prend pour mettre sous pied état généraux sectoriel yo. Osner Richard expliquait, c'est un moment pour tout petit pays à mettre tête ensemble, une façon pour pays en qu'a prend rail développement. Il était dans micro Richardson Jourdan avec Michel Joseph en suivre. État généraux sectoriel de la nation, c'est pas un mauvais bagage, nous toujours dit ça, et que nous croyons que dans ce sens ça bon, et c'est un pas dans de bonnes directions président en fait et a fait. Mais cependant, vous connaissez le pays d'Haïti, c'est comme ça lié. Donc, vous avez toujours joué un monde. Bon, dans tous les pays du monde, nous sommes capables de dire ça. Nous avons fait un bagage. Toujours des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ça nous parle, pour gagner des gens qui sont un petit peu intransigeants. Donc, tout simplement, je pense que dans la question, en fait, état généraux sectoriel de la nation, hein, eh bien, maintenant, tout le monde. Et capable chita majorité moun capable chita ensemble pour débattre question pour capable maintenant qui directive maintenant nous kabay paysa. Moi je pense que dans les prochaines années à venir, et eh bien je pense que
Et c'est un bon bagage. Parce que normalement, Jean-Pierre a parlé, parce que tout le monde doit prendre conscience de façon à ce que pour ouais maintenant, il faut qu'on chita, il faut qu'on parle qui fait, et bien pour nous, comment nous sommes capables d'avancer. Dans la page 101, nous allons continuer avec le syndicat Travail et Santé dans l'hôpital général qui mettait en bout vendredi, qui était 11 mai, avec mouvement grève qui a fait depuis environ un mois. Grève ça, c'est pour exiger plus bonnes conditions de travail et régularisation situation en pile dans le personnel de l'hôpital. Décision ça arrivée après entente qui prend entre autorités sanitaires et membres syndicats, d'après président STS, Rosta George Alisma. On écoute explication li nan micro Israël de Daphne avec Bernard Marseille. Nous disons bay on trêve à partir de lundi qui était 14 mai 2018 là trêve là c'est pour un mois nous quoi trêve là était commencé à partir de vendredi nous dit nous t'ai fait en grève qui était duré 5 jours pour qui ça nous t'ai dit nan grève là revendication nous était ajustement de salaire était régularisation de salaire était nomination nous t'ai dit priorité des priorités était nomination pour nous. Nous dit grève là nous t'ai fait un petit baisser le bras avec ajustement de salaire et nomination nous t'ai kembe priorité des priorités pour nous l'été grève là nous gagne 184 lettres qui étaient pour entrer dans l'hôpital général. Yo dit nous ba yo entrer pendant un mois avant moi yo pensé que lettre là gétant atterri dans l'hôpital général. Et puis nous t'ai annoncé dans grand titio Forum national pour le renforcement de la famille célébré mardi 15 mai à Journée internationale famille. Célébration sa fête dans cadre yon activité qui regroupait plusieurs institutions dans société civile lan cap militer pour promotion et protection famille en dans pays a. En suivant compte rendu avec Louinel Jean-Louis et puis Moïse Wilbridge. Famille c'est priorité. C'est sous thème ça Forum national pour le renforcement de la famille FONAREF. Ensemble avec diverses institutions en cours, Reste avec Freedom, Ministère Affaires Sociales, World Vision et Cabinet Sénateur Jean-Ronel Senatus, célébrer Journée internationale famille. C'était l'occasion pour le président FONAREF-là, Marie-Lonette Cupidon, expliquer divers problèmes familles ont confrontés, pendant les profiter rappeler l'importance famille ont gagné dans la société. Collectivement, on compte sur les familles pour s'acquitter de grand nombre de responsabilités. Éduquer et soigner les enfants, venir en aide aux personnes âgées, veiller sur les personnes malades. La famille joue un rôle crucial dans le fonctionnement de la société. Président de l'Assemblée nationale, la sénateur Joseph Lambert, qui était présent dans l'activité ça, mandé pour qu'il y ait plus de réflexion faite dans la société sur la question de la famille. Je me fais une joie de m'associer à votre démarche éclairée qui supporte l'engagement familial. Je vous félicite d'avoir toujours su l'appeler, et ceci en des termes qui portent l'empreinte d'une profonde conviction, l'importance des valeurs qui sont celles du mouvement familial, des valeurs auxquelles, vous savez, je suis aussi profondément attaché. Je suis heureux de m'adresser à des familles haïtiennes qui ont su, jour après jour, incarner ces valeurs. Vice-président Commission Affaires sociales et droits familles dans le Sénat, sénateur Jean-Ronel Senatus, attire l'attention aux autorités sur la nécessité pour créer une institution qui prend en considération le problème de la famille. Sénateur a demandé pour gagner une politique publique en faveur de l'île Sahara qui se base société à. L'école là, l'État prend en charge plus ou moins. Parce que le ministère de l'Éducation nationale qui l'a. L'église là plus ou moins prend en compte. Parce que il y a un ministère des Affaires étrangères et des cultes qui règle les questions de l'église. Là. Toutes les institutions ça, il y a l'école qui a formé les gens. Par exemple, l'école là, il y a l'école normale qui a formé les gens. L'église, il y a l'école théologique qui a formé les gens. Mais famille,
qui est la plus grande institution que toute société a gagné, il n'a pas gagné en politique publique qui est engagée pour lui. Dans la résolution 47-237, tu as proclamé journée 15 mai, journée internationale famille. Merci Louis Nelak Moïse. Nous prenons l'autre pause. Nous tournons nous parler dans l'actualité en sous-plan international. Merci parce que nous toujours été branchés. Nous parlons dans l'actualité en sous-plan international. J'en t'ai dit avant pause là. Eh bien, sauver accord sur nucléaire iranien malgré États-Unis fait retrait, c'est un objectif Mohammad Javad Zarif. Ministre Affaires étrangères iranien ont manifesté volonté pour défendre intérêt économique pays. Côté le craint pour entreprises européennes suivre retrait américain et puis quitter Iran. Pour chef diplomatie européen Federica Mogherini, accord 2015 l'ont a fonctionné. La Russie bon côté pâle déclaré l'y parer pour continuer respecter accord nucléaire iranien malgré leur permettant d'avoir un accès équitable aux activités physiques et sportives dans le respect des valeurs civiques et citoyennes, tout en les orientant vers l'initiative en référence à la feuille de route gouvernementale. En nous cherchant qu'on est, si nous pas fait maladie sick avec tension, ces déclarations, lui Jean-Élie qui expliquait, c'est grâce à des médicaments et consignes médecins qui fait maladie à pas poter l'aller. Et moi, t'es levé un jour, moi, t'es allé dans Radimac. Et depuis que je suis venu à Valdimac, je joins toute assistance que j'ai besoin. Et mon papier est cher pour moi consulter. Et moi je joins des médicaments gratis. Et en plus, je vis avec sucre assez bien. Et je dis, si pour me dire au monde que si on me regarde, je me dis, monsieur, ça va faire sucre. C'est moi qui vous dis que je fais sucre. Parce que moi, je suis seulement arrêté blog, zoom. Qui pour le bloc soit campé et puis on peut couvrir. Et grâce à du rendu, moi rencontré Fadimac et depuis lors, je me changer complètement. Caravane pour faire promotion sous bon comportement contre maladie Sayo, témoigner engagement MSPP prend dans l'idée pour former et sensibiliser la population, selon Marie-Rétaroy Clément. Cinq cents familles dans Odé Moustique, troisième section communale Bassin Bleu, recevoir pendant week-end l'an appareil pour mettre lumière à Caillou dans le cadre programme Kaipam Clairé. Ministre Kilti à communication, Joseph Guilherme Cédelva, parlé mardi 15 mai, sous plusieurs points qui ont dominé l'actualité, parmi eux, question ajustement prix gaz là. 20 moun arrêté, yon dizaine mouri, 4 zam, 5 machines et 3 motocyclettes saisies. C'est bilan opération direction départementale l'Ouest DDO menen sorti 12 avril rivé 12 mai dans zone Grand Ravine dans Port-au-Prince. Rapport travail commission bicamérale qui tape analysé dossier environ 40 postulants qui voulaient représenter parlement dans conseil électoral permanent disponible d'après président Sénat Joseph Lambert. Séance en Assemblée nationale pour choisir représentant parlement Poco qu'a fixé à cause Chambre députée qui est en vacances. Mardi 15 mai, marqué journée internationale famille. Dans l'occasion, plusieurs activités réalisées pour montrer importance famille dans bon fonctionnement et en société. L'autre bord de l'eau, environ 55 Palestiniens mourus, 52,400 l'autre qui blessés sous frontière entre Gaza et Israël lundi 14 mai. Président autorité palestinienne non, Mahmoud Abbas décrété 3 jours deuil national. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie journal là, pour semaine ça en présentation. C'était Linila. Je remercie toute l'équipe qui était mobilisée pour te rendre possible. Une fois encore, nous souhaitons une très bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti.